Et nous revoilà. Nous nous dirigeons vers le temple de la lumière. Nous venons de finir la forteresse Gerudo. Et c'est parti. Non, non, je fais pas que du rétro. Je fais tous les jeux que j'ai achetés. Donc là, par exemple, j'étais en train de me refaire toute la saga des Metal Gear Solid. Enfin, des Metal Gear en général, parce que j'ai fait les Metal Gear sur MSX aussi. Et du coup, j'ai commencé par Metal Gear 3, Metal Gear Solid 3. Après, j'ai fait Metal Gear Solid 5. Après, j'ai fait les deux premiers Metal Gear sur MSX. J'ai fini celui, le premier Metal Gear Solid et j'en suis au deuxième Metal Gear Solid. En fait, je les faisais dans l'ordre chronologique. Et pas dans l'ordre de sortie. Et j'ai toute une liste de jeux à finir que j'ai pas fini encore. Elle doit être disponible là sous la vidéo normalement. Ça doit être marqué liste de jeux à finir. Et donc il y a du rétro. Et il y a 2-3 jeux. Non rétro, on va dire. Même si le terme est pas très joli. Après, ça dépend un peu de ce que tu entends par rétro, quoi. Hein?
En fait, j'aime bien finir les jeux que j'ai achetés. Donc là, ils y sont pas tous, hein, parce que techniquement, si je marque tous les jeux de la PlayStation que j'ai acheté et que j'ai pas encore fini, c'est pas une liste, c'est un camion, quoi. Du coup, il y a tous les jeux de la liste que je vais faire, plus ceux que je vais acheter dans l'année. Donc là, par exemple, faut rajouter Twilight Princess que je vais acheter. J'irai pas jusqu'à dire jamais, parce que je pense que j'en ferai. Par exemple, je veux faire les Suikoden. Je les ai fait quand j'étais jeune. Donc ouais, je vais faire pas mal de rétro. Mais je vais faire pas mal de neuf aussi. Après, ouais, voilà, les émulateurs. Ouais, je vais refaire les Suikoden parce que j'ai vraiment envie de me les refaire. Et du coup, je vais les faire sur émulateur parce que 150€ le jeu, je peux pas me le permettre, quoi. 150€ de jeu, faut que j'arrête de manger pendant 6 mois, là. Mais littéralement, hein, je veux dire... pas manger que des pâtes, hein, c'est arrêter de manger, quoi. Oh, je ne peux pas passer. Comment je vais faire? 4 peurs. Chaque est là. Pareil. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, je pense. De toute façon, ils seront sur la liste à un moment ou un autre. Donc si d'ici là j'arrive à me les acheter, je me les prendrai, mais sinon... Non mais Medieval, je l'ai fait... Sur PlayStation, que j'ai pas fait... Sur PlayStation que j'ai pas fait, à part des jeux que j'ai vraiment pas envie de faire, genre Stewart Little ou les Razmoquettes, je vois pas. Enfin, actuellement, j'en ai pas. Redeviens enfant, Link. Et Medieval est assez énorme, hein. Si tu l'as jamais fait, c'est vraiment un jeu à faire. Eh bah courage, parce qu'il mérite. Ah.
Alors je t'avouerai que moi aussi je suis plus RPG à l'origine. J'ai toujours un peu de mal avec les jeux d'action. Tu me vois jouer à Metal Gear, c'est plus du Call of que du Metal Gear. Clairement, je suis plus du genre à passer en force. Mais bon, ça me fait rire donc. Tu joues à Dota pendant que tu me dis, tu discutes avec moi. C'est pas cool pour tes partenaires quand même. Je suis pas très doué à Dota, mais que je sache, il faut un tout petit peu de concentration.
sens tout le mystère là. Tu es rentré dans la pyramide. Les pharaons te contemplent. Ouais, c'est vrai que c'est cool, mais bon. Russ au dos. J'ai un second souffle en fait là. La fatigue est passée. On est reparti pour 8 heures. Même pas 5 secondes, j'ai perdu mon bouclier. Alors Sodo, comment se passe ton week-end? Est-ce que tu fêtes dignement les 30 ans de Zelda? Ça, ça devrait suffire. Yo Bongola, enfin arrivé à destination, c'est cool.
Du coup, t'as allé sacrément loin. Ouais. T'as presque eu... T'as eu 10 heures de route quasiment là. Royant. Bah écoute, tant que tu passes des bons moments, Mongola, c'est tout ce qui compte. C'est pas possible d'être si nul, sérieux. Heureusement pour moi, mon adversaire l'a encore plus que moi.
Le nombre ne compte pas, le nombre ne compte pas. Ce qui compte, c'est que les gens apprécient. Je préfère qu'ils follow pas et qu'ils suivent la vidéo. C'est tout ce qui compte. De toute façon, je fais pas de pub, donc... Par contre, si tu veux profiter pour faire de la pub pour ton truc, vas-y, hésite. Bonjour Canary. Eh ben je te remercie. Comme tu veux, si t'as besoin de faire de la pub, profites-en qu'il y ait des gens. Tu m'as dit que tu faisais pas de live. GG Canary. En effet, ouais. Et comme tu es la 50e followers, on va rien. Bonjour Bad Boulaz. Tu vas encore dormir, Vongola, sérieux? Au moins jusqu'à 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rod, ouais.
Genre, t'es fatigué. Arrête, arrête, arrête. C'est les 30 ans de Zelda, Vangola. Faudrait que tu sois en train de jouer à un Zelda, là. Tu as droit de dormir, mais que si tu regardes mes vidéos. Non, blague à part, bonne nuit, Vangola. Je sais ce que c'est, la route. Non, je joue sur N64. Je joue sur ma vieille 64 que j'ai sortie du placard juste pour aujourd'hui. Enfin, du placard, de l'armoire. En effet, la meilleure console du monde. Jusqu'à la suivante. Avec cette manette particulièrement dégueulasse, oui, en effet, ouais. D'ailleurs, je commence à avoir mal au pouce. Je sais même plus par où je suis arrivé. Ah non, mais là, elle était faite pour jouer à 4. La Dreamcast, le problème, c'est que la plus grosse partie du catalogue de jeux n'est jamais sortie en France, quoi. Du coup, c'est difficile de dire j'aime la Dreamcast sans dire... pas mentir, mais... C'est pas loin, quoi. Ah oui, Sky of Arcadia. Tellement d'heures. D'ailleurs, il y a une très bonne version GameCube de Sky of Arcadia. Et largement moins cher que la version Dreamcast pour la retrouver sur le net. Je sais, je me suis rabattu dessus. C'est vrai, Sky of Arcadia. Putain. Il y avait des attaques mythiques, quoi. Puis ce dernier boss, quoi. J'ai trop de souvenirs, en fait.
Papy Bachou. Après, pour moi, la meilleure console de toutes, je pense que... Après, c'est lié à mes souvenirs, hein, mais c'est la Super Nintendo. Mais bon, c'est totalement mélancolique, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison pour qu'elle soit la meilleure console, à part le fait que j'y ai passé tellement d'heures que ça l'est devenu, quoi. Comment tu détruis ces machins? Avec ça peut-être? Il faut avoir des bombes. Et pour avoir des bombes, il faut casser des vases. C'est mieux. Tac tac.
Il est 16h30, ça fait donc 16h30 que je live. Poser la graine. J'ai commencé à minuit, ouais. J'ai décidé de faire une journée complète Ocarina of Time ou un autre Zelda, peut-être après, je sais pas, on verra. Je ferai peut-être du Mossou après. On verra dans quel état je suis quand j'aurai fini Ocarina. Merde, c'est vrai, je suis petit. Y'a pas de magasin encore ici. Quel con. Il est méchant avec Navi. Je me demande qui a pu construire le temple de l'esprit et pourquoi. Aucune idée. Par contre, on peut essayer après. Vu que c'est une version originale du jeu, je te dirais que, en théorie, oui, il devrait y être. On pouvait pas acheter des missiles, justement, hein. Thank you.
Bah moi je l'ai acheté sur 3DS, mais parce que j'ai acheté la 3DS Zelda en fait. Elle était tellement jolie, la noire. Où ça, si ça passe? Eh ben moi, FF4, je l'ai en original sur Super Nintendo. C'est ça. Le rebirth est sympa, ouais, en effet. Mais ça a perdu un peu quand même. J'ai bien aimé moi aussi le remake de Mario 64 sur 3DS. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse changer de personnage. C'est pas une honte hein, de pas jouer à un jeu. Hein. Sauf si on parle de Zelda. En théorie, je suis d'accord avec toi, Dwayne. Resident Evil 2 est l'un des meilleurs de la série. Par contre, si tu commences, non, on commence pas par le 2. C'est perdre une moitié de l'histoire pour rien. Autant on peut s'abstenir de faire le 0, autant faire le 1, quoi. Dungeon Keeper, c'est autre chose. Que Dungeon Keeper a très mal vieilli et hein. Je l'ai réinstallé il y a 2-3 ans. C'est pas moche à en être injouable, mais on en est pas loin quand même. Hein. Yeah!
C'est vrai par contre que le niveau gestion du gameplay est vraiment unique. C'est un jeu de gestion comme on n'en fera plus. Hein. De toute façon, l'idée de faire un simulateur de construction de donjons pour anéantir des héros, c'est juste énorme, quoi, je veux dire. Il y a des mecs, c'est des génies. J'en suis au temple de l'esprit. C'est le dernier temple. Après, il reste plus que le château de Ganon. En gros, ce soir, j'ai fini le jeu. Après, si ta question c'était quelle est l'histoire du jeu, ça va être un peu plus long à raconter. Je suis prêt à le faire, mais il va falloir que j'aille chercher de l'eau. Et si je vais chercher de l'eau, après il va falloir que j'aille aux toilettes et tout. Ça a été une tannée. Le temple de l'eau m'a pris 2 heures. À lui tout seul, le temple de l'eau m'a mis 2 heures, quoi. J'ai pas pris plus de temps pour faire les premiers temples. Putain, je me rappelle plus où elles sont les torches. Le temple de l'ombre, j'ai galéré, mais je crois que c'est la fatigue surtout. En fait, je suis en train de cumuler plusieurs heures de jeu et je commence à le sentir. D'ailleurs, j'ai rattrapé Mika, mais je crois qu'il en était à la fin du temple de l'ombre. Pas me rappeler où est la clé. Devant toi.
cette petite clé va vous ouvrir des portes. Vas-tu faire Majorasque? Non. Non. Je vais pas faire Majora's Mask aujourd'hui, non. Je vais éviter les crises de nerfs. On va dire que je suis plutôt de bonne humeur pour l'instant, on va y rester. C'est ça, et là je suis pas en... Je suis clairement pas en état de faire Majora's Mask, hein. Je te le dis. Je suis pas frais et dispo là. Après, faire Majora's Mask, pourquoi pas. Je peux le rajouter à la liste des jeux que j'ai à faire. Le truc, c'est que... J'ai trouvé un Ocarina en multijoueur. Comment tu peux jouer à Ocarina of Time en multijoueur? C'est pas possible. C'est pas logique. On trouve vraiment n'importe quoi sur Ramstation. C'est vrai, Mario 64 est dispo en multi. Mais tu fais comment pour jouer à plusieurs à Mario 64? Enfin, je veux dire, il n'y a qu'un personnage. Donc à part si vous donnez la manette, je vois pas comment tu peux jouer à plusieurs, quoi. Je veux dire, à part si tu multiplies le nombre de lignes sur le terrain, mais dans ce cas-là, c'est cheaté, quoi, je veux dire. T'imagines 4 lignes contre un seul monstre? Enfin, c'est... Bah écoute, je sais pas comment tu gères les monstres, mais ça m'a l'air un peu cheaté quand même. Non mais je te crois, Goxys, hein. C'est juste que je comprends pas comment tu gères ça, quoi. Je veux dire, le jeu a été créé pour jouer à 1, quoi.
Chasse la poussière. Salut le YOLO. Ouais, je me suis pas encore suicidé. Alors le coup d'effet, c'est simple, il y a deux ou trois fontaines comme ça qui n'apparaissent que si tu joues la musique. Tam 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 tam. Est-ce que j'ai ragé? Je me suis tapé la tête sur le mur. Non, ça va. Pour l'instant, mon front n'a pas de marque. Enfin, je crois pas. J'en vois pas. Donc non, ça va, je rage pas trop encore. Par contre, ça risque de venir, hein, parce que je sens que je vais faire de la merde alors que c'est mon temple préféré, donc... Jack, encore une fois, j'avais plus de bombes et j'ai dû aller en chercher. Non, c'est une question d'habitude. Avec le temps, tu sens plus rien. Et merde, je l'ai loupé. Il est tellement énorme. Et puis ce boss, quoi. En fait, il faut que j'enlève les bottes de l'air. Ça ira peut-être mieux. On va arrêter la patinette. Il a tellement un boss à faire rêver, quoi. Allez, j'arrête. On remettra les cœurs, putain. Ganon n'est pas si dur que ça. Hein. C'est pas le boss le plus dur de jeu, hein, clairement. J'avoue que le fait que vous trouviez les temples flippants m'inquiète un peu en fait. Moi je les trouve juste sublimes quoi.
Organon? Bah l'épée. Épée, flèche de lumière. Classique. Non, non, épée. Moi je n'aime pas l'épée Bigoron en fait. Je sais qu'elle est plus puissante et tout ça, mais... Pour moi, Link, il doit avoir un boubou, quoi. Ganondorf, pareil. Tout à l'épée. La blinde dure plus longtemps avec Ganon. Là, j'ai le vieil épisode du joueur du grenier qui me remonte là. Ah ouais, bah à ce moment-là, bah. Je ferai ça au bâton Kokiri. Bah, typiquement là je suis en train de faire de la merde, je le sais, et ça va pas tarder à m'agacer en fait. Le marteau Goron. Ouais mais le marteau Goron, le problème c'est que... comment dire... Il est lent. Mon anime favori, ça va être compliqué. Hein. Oh.
mon manga favori, ça sera plus facile. Mon manga favori, ce sera certainement Rei, en fait. Tu l'as fini combien de fois? Ocarina of Time? Oh, j'ai dû le finir 3-4 fois la première fois que je l'ai eu sur 64 il y a des années. Et je l'ai fini il y a 4-5 ans quand il est sorti sur 3DS. Rave, c'est un manga qui vient de l'auteur de celui qui a fait Fairy Tail. C'est plus récent, Fairy Tail. Je pense que tu dois connaître. Après, je suis assez fan de Kenshin le Vagabond. T'as pas stoppé au bon moment, faut stopper à la fin. C'est tellement énorme jusqu'à la fin, quoi. Merde, je me suis fait prendre par un truc, là. Force de discuter. Bah moi, je les ai tous. Parce que j'ai réussi à résister jusqu'à la fin à l'attente. Il y a un manga que j'ai toujours pas fini et que je veux finir, c'est My Goddess. Commencé il y a tellement d'années et toujours pas fini quoi. Je l'ai commencé, il y avait 2 tomes de sortie. Mais là que je sache, je crois qu'ils sont tous sortis ou alors le dernier va pas tarder à sortir. En manga actuel, je crois que je suis rien. Faut dire qu'il a fallu que je choisisse 2-3 passions et que je coupe les frais parce que entre ce que j'achetais en livre, en jeux vidéo et en conneries, ça revenait un peu trop cher pour moi. Je ne connais pas Ipen Ipen. Je crois que quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure. Hey. Hey.
Ça doit être quelqu'un de connu. Ou alors c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure. C'est toi, Navi. Hey, listen. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, tu l'entends plus. Moi, j'ai totalement fait abstraction de sa voix. Pas dire ça, elle est pas énervante. Très légèrement gonflante. Ah, c'est bon, la fatigue revient là. Partie bien longtemps. Ça fait 17 heures que je stream. Moins quelques pauses. Il faut bien l'avouer. Après, c'est vrai qu'hier, à cette heure-ci, j'étais encore en train de streamer. Ouais. Mais là, je sens que je vais le payer, hein. Clairement. Oh, no!
Ouais, je compte faire Duck Nukem Forever sur PS3. En fait, on m'a offert la version PS3 et du coup, faudra que je l'essaye un jour ou l'autre. Et merde. Par contre, en théorie, je suis d'accord avec toi, un FPS, ça devrait être sur PC. On verra, hein. Ça dépendra aussi de comment ça se passe. Ah mais il y en a trois en fait. D'accord. C'est le plus dur de quoi? Duck Nukem? Ouais, je sais pas. Je m'attends pas à grand chose d'un Duck Nukem en fait. Eh bah courage. Y pensant, je préfère Medieval à l'occasion. C'est quand on était petit. Ah
bah ce qui passait quand on était petit, ça passe plus quand on est adulte. En même temps, on va peut-être enlever les bottes, ce sera plus facile de se battre. C'est une question de concentration. C'est bon, j'ai mon bouclier. On peut aller affronter Ganon. Eh ben merci d'être venu, Canary. À la prochaine. J'espère te revoir bientôt. C'est cool. Le YOLO. À la prochaine. Toi aussi, j'espère te revoir. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Watch out! A monster! En fait, le secret, c'est qu'une fois que t'as visé l'araignée, tu peux la tuer. Oh putain, sérieux. Pourquoi je fonce? C'est pas comme si j'étais pressé, quoi. J'ai rien d'autre à faire à part Zelda. Juste que j'arrête d'être con. Comme là. Putain, trop pressé. Respire. Tu as toute la soirée ici.
Peut-être pas toute la soirée, mais tu as tout le temps qu'il te faut. Oh putain, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas! Hein? Je suis passé à travers le mur? Oh oh, j'ai fait glitcher le jeu! Oh putain, j'ai oublié la sculpture. Tellement con. Que j'ai foutu. Ça, c'était un très bon timing. Ça, c'est mauvais. Calmer 2 secondes. Alors là, si tu regardes sous la vidéo, tu vas voir une grosse, grosse liste de jeux. Mais là, actuellement, je suis en train de finir chronologiquement les Metal Gear Solid. Ce qui, je l'avoue, est assez long. Du coup, j'en suis à Metal Gear Solid 2 et il va rester le 4 après. Et après les Metal Gear, je sais pas trop. En théorie, le prochain jeu devrait être un Zelda. Parce qu'il y a Zelda Twilight Princess HD Edition qui sort. Donc je pense que juste après, je ferai un Zelda après les Metal Gear. À moins que je commence autre chose, je sais pas. Il y a aussi Grandia 2 et 3 que je veux finir. Que je fous.
Un MJ. Et bah, il y aura Twilight Princess pour te faire plaisir. J'avoue que Majora's Mask, je le déteste. Hein. Ouais, là, il me montre carrément qui est le patron et ça me plaît pas beaucoup d'ailleurs. Faut dire que je fais de la merde et que j'ai envie de pisser. Je reviens. Ah, Twilight. Il est juste parfait, le Twilight. Et si tu loupes mon stream, il y a ma chaîne YouTube où tu pourras voir tous mes streams. Et c'est pas vraiment de la pub parce que ma chaîne YouTube me rapporte zéro vu que toutes mes vidéos sont strike par Nintendo systématiquement. C'est des enfoirés de merde. Alors non, par contre, le Twilight Princess, je le ferai pas une fois. Hein. Clairement, là, c'était pour l'anniversaire de Zelda que je me suis fait un stream de 24 heures. Hein. Je vais pas faire ça systématiquement. Je suis pas dingo. Et donc, ma chaîne YouTube, tu dois avoir un lien en dessous, là, en dessous de la vidéo, normalement. Y a tout plein de vidéos. On sait jamais, hein, ils finiront peut-être par faire une version pour PC. C'est à la mode en ce moment de sortir les jeux sur. Ah oui, il y a l'émulateur GameCube qui tourne plutôt bien. Hein. Si t'as un PC qui a pas 50 ans. C'est une très bonne solution d'ailleurs. On profite beaucoup mieux des jeux en les faisant en soi-même. Sauf quand on est fini.
C'est vrai, trop peu d'ailleurs. Je sais pas combien ce money là oui en ce moment en occasion. Le jeu doit pas se valoir grand chose, surtout qu'il y a la version HD qui sort. Donc... Je pense que ça doit faire baisser le prix du jeu. Enfin j'espère. Ah non, là pour le coup, la version GameCube est vraiment pas rare, surtout que si je me rappelle bien, il y a eu une version Game of the Year. Enfin, la version Nintendo Game of the Year, c'est collector je sais pas quoi là. Ah là oui, à très bon jeu, il y en a eu 2-3 quoi, il y a Last Story qui est énorme, il y a Xenoblade Chronicle, et il y a... Comment il s'appelle ? The Last Story, Xenoblade Chronicle... Et il y en a un autre très bon RPG. Faudra que je me fasse Mad World un jour. Ah putain, ouais, il y a les Fire Emblem aussi. J'oublie souvent. Mais... Ah ouais, c'est bien une connerie ça de plus mettre les périphériques. Alors autant pour les Mario Galaxy, je suis assez d'accord, autant les Budokai... Alors après c'est peut-être parce que j'en ai fait 15, mais... Il y a un moment, ils auraient vraiment dû dire non à Budokai. Ah, il y a Okami. Mais Okami, tu le trouves sur à peu près tout maintenant. Je me rappelle plus comment on met les mains en mouvement.
l'ai su. Je suis pas fan de Donkey Kong. Alors là par contre, No More Heroes, je peux t'en parler, vu que je les ai faits. Et la version Wii U est sympa. Bah oui. Monkey Ball ? Je connais pas. Ah, Monkey Ball ! Ah oui. Je peux pas y jouer, ça me rend malade. Il y avait pas un truc où il fallait faire bouger les mains? Je me trompe de Zelda? J'étais sûr qu'il fallait faire bouger les mains dans celui-là. Tu sais, dans lequel où il faut faire bouger des mains pour arriver jusqu'au visage. Tiens, 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 voici de la visite. Sans parler que sur la Wii, tu peux faire tourner tous les jeux GameCube. Non, c'est un bon investissement la Wii au final. Hein. Bon allez, on va arrêter avec les bottes hein, parce que... Ah ouais, on oublie en plus les Mario Party et on oublie aussi les Smash Bros. Sans parler du Mario Kart. Mmh.
Il y a le Guilty Gear aussi qui est sorti dessus. Qui est pas mal, sachant qu'il est sorti nulle part ailleurs. Tiens, il manque des jeux. The Last Story. Ah, on oublie Pandora Hearts. Après, la Wii U a eu son Mario Kart et son Smash Bros. Il y a un Mario Party qui est sorti aussi. Le problème, c'est que ça a été des catastrophes tous les trois. Mario Kart avec ses circuits de battle totalement pourris. Smash Bros qui au final n'apportait pas grand chose de nouveau. Et Mario Party, bah, j'ai pas compris pourquoi ils ont continué en fait. Ouais, mais Mario Kart, c'était marrant quand il y avait des battles, quoi. Enfin, de mon point de vue, après, c'est toujours subjectif, hein, mais. Arrête, le mode battle de la 64 était juste énorme. Bah, le problème de Nintendo, c'est surtout qu'aucun éditeur veut éditer ses jeux dessus, quoi. Vu qu'ils ont une sale répute et que les joueurs veulent pas de leur console. Au final, à part pour les jeux Nintendo, une console Nintendo, ça sert pas à grand chose, quoi. Faut bien l'avouer.
Bah, le problème, c'est que la PS3 ne reverra bientôt plus de jeux, quoi. Du coup, à un moment ou à un autre, si tu veux vraiment des jeux, va falloir que tu prennes une PS4. Désolé, je peux pas lire ce que vous écrivez en fait, parce que j'arrive pas à jouer sinon. Qui commence, sauf pour Nintendo qui commence à peine pour les DLC, on calcule à Genève, on revient à 120€ pour le season. Triste réalité. C'est bien vrai. Après c'est vrai que Nintendo commence tout juste avec les DLC mais ils se mouchent quand même pas du coude hein. Là pour le coup ils y sont allés fort hein. Dès leur premier jeu. Après aucun street n'était complet sachant qu'ils ont sorti 15 versions de chaque street. Hein. Mais au moins quand t'avais la dernière version, t'avais tout payé quoi. Tu le payais qu'une fois. Oh putain, quel con. Ah non, quand t'avais acheté les 3 Street Fighter 2 différents... T'avais largement payé 160€, hein. 120, 140 même. Alors là, je joue sur N64. Par contre, je vais arrêter de lire vos messages parce que je fais de la merde. Et ça me fait pas rire. Alors certes, ce n'est pas de votre faute si je fais de la merde, c'est de la mienne.
Allez, fais-moi une boule de feu, fais-moi une boule de feu, fais-moi une boule de feu. Merci. Et merde. Bon bah pas de la glace. On va prendre feu. Pas la glace j'ai dit. Casse-pied quand tu t'y perds. Allez, fais-moi du feu. C'est bien. Allez, encore une. Une petite boule de feu. Allez. Feu, j'ai dit. Le feu, c'est le rouge. Allez. Le rouge. Ah, tu me fais plaisir. Voilà. Donc, Yanou, bonjour. Et je joue sur N64. J'ai branché ma petite N64 sur mon PC. Et je joue avec. Et ouais. De toute façon, même Street Fighter 4, si tu regardes bien, il y a eu 3 versions. Il y a eu Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, et la dernière version, là, je sais plus combien. Donc en tout, tu t'en tires à 200€ le jeu, quoi. Bon, c'était pas propre, et c'était pas si moche que ça. Alien Isolation? Je sais pas, faudrait que je le trouve en fait. Si je l'achète, ouais, il y a une chance que tu le voyes. Ouais. Après, je t'avoue que vu ce que j'en ai entendu, ça donne pas envie de l'acheter. Hein.
En ce moment, 10 euros, genre. C'est pas faux, c'est pas faux. 10 euros, ça fait pas cher. C'est pas le même jeu, Coxy. C'est pas le même intérêt non plus. Bah, je suis fan d'Alien, donc s'il est bien. Un diaporama. OBS a une fonction pour faire un diaporama, Coxix. Après, il demande quel dossier tu veux mettre. Et du coup, moi j'ai mis mon dossier d'image de Zelda. Je savais pas non plus, puis tout à l'heure je cherchais avec quoi remplir l'espace vide de ma fenêtre. Et du coup j'ai vu ça, je fais bah tiens on va faire ça. J'attendais, bah Kael. J'aurais dû laisser Link, sérieux. J'ai la déesse noire, ouais. J'ai pas la or, mais j'ai la noire. Tu dois traîner dans le coin d'ailleurs.
Ah ouais, si je continue à parler... Ross, au dos. Ouais, je disais, elle est à 200 et quelques euros sur référence gaming. Donc, ça reste cher. Moi, j'ai dû la toucher à l'époque à 150 et quelques euros. Il est partout, Sodo, il est partout. Le porteur de la Triforce du Courage. C'est toi, Link. Le détenteur de la Triforce de la Sagesse. Et le septième sage dont le destin est de conduire les autres éveillés. Dun, 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 dun. Et là, révélation de ouf de Guedin, en fait, Sheik. C'est Zelda. Je la trouvais trop magnifique à l'époque. Bon, j'étais au collège à l'époque. Je devais avoir 12 ans, 13 ans. Depuis combien de temps tu collectionnes? Je sais pas. En fait, à une époque, je vendais mes jeux. Donc je collectionnais pas. Et un jour, j'ai arrêté. Et ça doit faire 10 ans. Après, le seul problème de la collection, c'est que ça coûte cher. Et que j'achète aussi des mangas, j'achète des dessins animés, et j'achète des livres, parce que j'adore la science-fiction et la fantasy. Du coup, j'ai beaucoup de passions qui me coûtent bien de l'argent. Donc, je fais pas tout en même temps. Ah ouais, on peut en parler, hein. Un jour peut-être il finira par se taper la princesse, mais c'est pas près d'arriver à mon avis. Pour moi, Interstellar, le film est très bien, même excellent, et j'ai pas compris pourquoi tout d'un coup, tout à la fin, ça part en couille. Après, la SF comme la fantasy, c'est une question de goût aussi, hein. Il y a des histoires qui nous plaisent, des histoires qui nous plaisent pas. Par exemple, on a beau me dire que Armageddon est nul, mais moi, je l'ai adoré, quoi. Je trouve que l'histoire est géniale.
Ah, c'est un petit élément du film. Si, il a commencé, il a posé tout son décor, il a posé tous ses personnages. Tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est ça qui a servi la première heure, quoi. Sur ce, on va faire une pause ici. Parce que je vous adore. Non, on va faire le pont et après on fera une pause. Un peu une force de pédaling, hein. Il va pas soulever le gros caillou là. Mais je crois qu'il faut les Gandalf d'au-dessus là. Si je me rappelle bien. Ah, il faut le marteau. Ah, c'est bien ce que je me disais, c'est les autres gants qu'il faut. Link pas content. Ouh, on va éviter de sauter dans l'abysse. Au fond du fond de l'abysse, enfin.
Vous sauvez la princesse? Ah, le pont de lumière. Tellement beau. Un arc-en-ciel. Tout plein les couleurs. Moi, je sais pas si j'aurais eu le cran de m'avancer là-dessus. Hein. Parce que ça a l'air un peu fragile quand même, leur machin. Et donc, nous allons faire une pause ici, les amis. Et nous revenons après quelques minutes de pas de publicité.